secouristes avant d'activer ça, mais putain, en fait, je l'ai activé trop tôt. Arrive au dernier joueur de la tempête là. Pas du tout, sachant que c'est ça sent tellement le piège. Pourquoi j'ai pas fait ça depuis longtemps? Là. Je vais bientôt tout avoir en fait. Dernier jour. Oui, c'est un capitaine, d'autres personnes ont abandonné leur lieu de travail. Elles sont terrifiées, elles ne pensent pas que nous ayons une chance sur eux. Une équipe entière, mine de charbon à vapeur, refuse d'aller travailler. Oh, j'ai besoin de charbon. C'est la merde, c'est un peu fou. On s'en fout clairement. Je vais pouvoir tenir une journée entière comme ça. Miracles sont possibles. Capitaine, c'est un miracle. L'homme qui était parti à la recherche de sa fille est revenu avec elle. Il dit qu'il l'a trouvé rapidement après avoir quitté la ville, mais qu'ils se sont ensuite perdus et ont dû attendre que le bizarre passe pour trouver leur chemin. Épuisés et ont des engelures, mais ils sont en vie heureux. Ouais, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. C'est bientôt la fin de la tempête. C'est plutôt bon signe pour la suite. Ah bah je pense que c'est bon. X est temps. Bien, cantine. Alors, récolte de la tempête. Téléman et leurs proches se sont rassemblés pour nous demander de les aider. Le nombre d'enjolures ne cesse d'augmenter et nous ne pourrons peut-être pas soigner tous les malades à temps. Je ferai au triage pour soigner la plupart d'entre eux, mais de nombreux morts sont à déplorer. Pendant ce temps-là, j'ai pas encore fait ça. Ah, mais j'ai plus de bois. D'accord. Ça se fait que j'ai plus de bois en fait. Ah, d'accord, carrément plus de bois. En fait, si la partie elle se termine pas après, je suis dans la merde parce que je peux plus faire de bois. Ah, là, si. Allez. Encore, ça se fait, il faut du bois pour faire la scierie, quoi. Terminé de toute façon. Du coup, ça, on démantèle. Là, l'automate. Oh putain de merde! Ah! Allez, travaille. Certains des habitants ont abandonné leur poste pour rester avec leur famille. Seuls les bâtiments médicaux fonctionnent encore. Je retiens son souffle, attendant de savoir ce qu'il adviendra. Le mec est à cause d'un mécontentement trop haut et d'un espoir trop faible.
Intéressante, putain. J'avais su. Je sais pas de combien ça augmente. Trop. Pas bien là. Le vent tombe et ta voiture commence à remonter. Sens effrayant règne sur la ville. Nous avons réussi! C'est fini, j'arrive pas à y croire, c'est enfin fini! Nous avons survécu au blizzard! Ouais! Voilà. Ça va retracer toutes mes constructions! Bon, il y a eu 80 morts, mais bon. Enfin, 80 égarés, c'est-à-dire les 80 qu'on a, c'est ceux qu'on a laissés dehors. Nous mine d'abord nos enfants à contribution. Ouais, bon, on était un peu obligés. Ah. Et des sacrifices, forcément. Nous adaptables. Des pénitences publiques brutales. Bah ouais, mais bon. On était un peu obligés, quoi. Ambiance, fanatisme, ouais, ouais. C'est ce qui nous a permis de survivre quand même. Ah bah ça. Et puis la nouvelle Londres. Et bah nickel. Nickel.